Donc, une autre question? Ok, mon frère. Oui, l'homme de Dieu. Ça fait moins deux fois que je suis ici. Je suis très content par rapport à vos messages. Et à la maison, j'ai regardé vos prédications à travers différents pays. Moi, je suis Congolais de la République démocratique du Congo. Si j'ai bien suivi, vous avez dit que non, vous avez quelque chose à faire en République démocratique du Congo concernant, à propos des faux enseignements, tout ça. Ce qui est un peu marrant dans mon pays d'origine, il y a le problème, premièrement, de la dîme et la délivrance. L'enseignement de la dîme et de la délivrance, c'est vraiment mal prêché. Bon, je ne sais pas, selon vos interventions, est-ce que vous serez vraiment écouté en République démocratique du Congo? Parce qu'il y avait vraiment la confusion totale, quoi, dans le pays. Malheureusement. Et vous savez que une grande on vient de là-bas, justement. Une grande partie de la famille de ma maman et de Braza et de papa de Kin. Et on pleure beaucoup pour ce pays, notamment la RDC, la RDC Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, c'est le pays le plus riche au monde. En termes de minerais et en termes de la richesse naturelle. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et alléluia. Rien que dans le sous-sol de la RDC, au niveau de l'eau par exemple, il y a tellement d'eau que pendant un siècle, 100 ans, ce pays peut abreuver toute l'Afrique. Rien que le barrage Inga, donc en province du Bas-Congo, ce barrage-là peut alimenter le monde entier pratiquement en électricité. Tellement que c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Les minerais, le cobalt, tout ça, les fusées qui sont fabriquées comme Ariane, tout ça, sont fabriquées avec du matériel, hein, des minerais qui viennent de la RDC. Et beaucoup ne le savent pas. Les portables que vous avez là, tout ça notamment, et iPhone, sont fabriqués avec la matière qu'on puise là-bas au Congo RDC. Et d'où la guerre qui se vit dans l'est de la RDC depuis des années, qui a fait plus de 10 millions de morts. Et les gens n'en parlent pas, parce que ce sont des sociétés occidentales, notamment qui profitent, hein, qui engendrent, qui provoquent ces troubles pour pouvoir prendre l'or, le diamant, le pétrole. Il y a du pétrole pratiquement partout. Pratiquement partout. Le bois, n'en parlons pas. C'est le deuxième plus grand fleuve, hein, donc le deuxième grand fleuve au monde, et le fleuve Congo. Bref, c'est en même temps un pays qui a été beaucoup visité par le Seigneur, qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier pratiquement, mais aujourd'hui c'est un des pays le plus paganisé au monde. Et c'est horrible. Et le Seigneur me met à cœur de plus en plus de parler de ce que se passe là-bas sur le plan spirituel. La dernière fois, je suis allé au Congo, mon frère. En partant, j'apprendrai que des pasteurs s'étaient associés pour me faire éliminer et ils n'ont pas compris comment j'ai fait pour sortir de là. Et Dieu ne me permet plus d'y aller aujourd'hui. C'est-à-dire le message que Dieu m'a donné. Regardez les nations qu'il y a ici. Il y a nos amis arabes qui sont de plus en plus touchés. Et nos frères et sœurs, nos amis européens de souche qui viennent de partout, comme vous pouvez le voir, de plus en plus, ce sont des nations que Dieu touche. Et pour la première fois, Dieu va se servir d'un noir francophone avec une équipe de frères et sœurs, de blancs, des antillais, qui est autour de moi. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu a utilisé un noir francophone pour faire la révision de la Bible. Une Bible que l'on peut vendre plus de 100 euros et elle est offerte gratuitement aux frères et sœurs. Alors que j'aurais pu empocher plus de 2 500 000 euros. Et malheureusement, pour ce pays, mon pays d'origine, c'est le pays qui a le plus rejeté le message que Dieu nous a donné, que Dieu m'a donné. C'est paradoxal, mais c'est biblique. Aussi, quand je vois ce peuple qui cherche Dieu, vous allez au Congo RDC, vous allez voir à 5 heures du matin, vous allez entendre des bruits partout. C'est des gens qui prient.
Mais ils sont devenus tellement idolâtres que quand cette chantre chrétienne, soi-disant, va mourir, Marie Missamou, dont la vie était connue, la vie impudique, hein, sale, était connue de beaucoup, c'est toute la RDC pratiquement qui va l'adorer. Quand un autre musicien est décédé, Alain Moloto, bien avant Marie Missamou, un musicien chrétien, tout le pays va l'adorer. Dieu dit, mon fils, regarde-moi ça. Regarde-moi cette idolâtrie. Ils ont fait des t-shirts avec l'effigie de ce monsieur décédé, des photos. Ils ont loué un stade de 80 000 places. Ils l'ont adoré, rempli à l'intérieur, à l'extérieur. Ils l'ont adoré. Tous les faux pasteurs étaient là, soutane, tous, même ceux qui ne s'aiment pas, tous. Et le dernier en date qui est décédé, c'est le musicien profane, Papa Wemba, que beaucoup connaissent, certainement connaissent, qui a en même temps pratiqué la bisexualité. Ce sont des pasteurs qui disent que c'était un chrétien. C'est pour cela aujourd'hui, des Congolais meurent suite à des maux de tête. Je suis allé au Congo une fois, une femme vient me voir avec son bébé malade. Cet enfant, bébé de 4 mois à peu près, 40 degrés de fièvre. Je lui pose la question, mais t'as pas un médicament pour l'enfant? Elle me dit, prie pour l'enfant pour qu'il soit guéri parce que j'ai pas l'argent pour acheter ne serait-ce qu'un Dafalgan. Et l'enfant mourait. C'est pour cela. Même ceux qui se disent autorité, tout ça là-bas, là, je peux plus, je leur dis la vérité en face. C'est pour cela que je peux plus mettre mes pieds là-bas. Parce que c'est fatigant de voir toutes ces âmes qui vont en enfer, de voir tous ces chrétiens congolais idolâtres. Tous ces pasteurs que vous connaissez, j'en profite, comme tu as posé la question, on ouvre une parenthèse parce que là, on va parler de plus en plus de ces choses-là. Tous ces pasteurs idolâtres que vous connaissez là-bas, tout ça là, les Sony, qui couchent avec des femmes, qui a divorcé plusieurs fois. Et il est toujours dans la fédération des pasteurs, personne ne le dénonce. Vous avez des gens comme Mukuna, qui a divorcé avec sa femme, qui prend une autre femme, qui s'asseyait devant son assemblée, et qui va la présenter à la première dame là-bas. Tout le monde acclame, qui va prendre une équipe de foot, tout ça là, et il va l'acheter, qui devient président de cette équipe de foot, et qui va, en plus de cela, faire danser. Inviter un musicien profane dans un stade rempli de monde, un dimanche, faisant danser des femmes pratiquement nues, et tout le monde dit que ça c'est chrétien, tout ça là, ce pays est dans une telle confusion, en fait, Dieu m'a dit, c'est lui qui l'a frappé à cause des églises. C'est pour cela que il ne veut plus que je mette mes pieds là-bas. Parler de loin. Ce pays a provoqué la colère de Dieu. Quand Dieu donne autant de richesses à une nation, de l'eau en abondance, des forêts à perte de vue, des diamants partout, du pétrole partout où tu creuses, il y a des villes, des quartiers où c'est interdit de creuser à plus de 300 mètres parce qu'il y a le pétrole. Quand Dieu donne autant de richesses, c'est que cette nation a une mission à accomplir sur terre. Pour aider les autres, pour annoncer l'évangile, annoncer les valeurs morales, la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour de son prochain. Comment craindre le Seigneur, comment aider son prochain. Et cette nation, qu'est-ce qui s'est passé, a pris cette richesse-là. Les gens font n'importe quoi avec, les gens ont des milliards cachés partout, des maisons partout. Et les pauvres, on en fait quoi des pauvres? Il n'y a pas d'orphelinat de construit pour aider les pauvres. Il n'y a pas de maison pour les veuves de construit pour aider les veuves. Où sont ces églises? Combien d'églises là-bas ont construit des orphelinats? Quand Dieu m'a dit en 2001, va là-bas, construis-moi un orphelinat. J'ai eu un pasteur qui dirige une église de 4000 personnes à l'époque, la résurrection, ce pasteur là-bas, vous connaissez là. Tout ça là. Il me dit, faut laisser les orphelins comme ça. Une église de 4000 membres. Il a plus de 5,
plusieurs villas, il a plusieurs 4x4, tout ça là, plusieurs véhicules. Et les orphelins, on ne s'en occupe pas. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, effectivement, frère, on souffre. Ce pays, dans ce pays-là, tous ces pasteurs connus, tous ces musiciens, et les Patrice, celui, d'ailleurs, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit que Patrice, il va mourir. Dieu m'a dit, Patrice, c'est le frère Patrice, celui qui chante, c'est l'handicapé, là. Dieu m'a dit, qui pouvait le connaître? Dieu m'a dit, c'est moi qui l'ai levé. Dieu m'a dit, c'est moi qui le fais connaître. Maintenant, il s'est paganisé. Maintenant, il s'est associé avec des pasteurs impies, des musiciens impies. Dieu m'a dit, s'il ne se reprend pas, il va mourir, là. Ça, c'est un, je dois l'appeler pour lui dire ça. J'ai cherché son numéro. C'est la confusion. Dieu va frapper et vous êtes là. Vous écoutez ces musiciens, tout ça dans vos voitures, vos maisons. Dieu a frappé beaucoup parmi vous par des malédictions. Parce que vous êtes dans la compromission, dans le mélange. N'est-ce pas? Vous fermez les yeux et vous soutenez ces gens qui abîment les âmes, qui détruisent les âmes. Dieu pleure. Dieu souffre. Dieu souffre. C'est pour cela, mes amis. Il faut vraiment qu'on craigne le Seigneur. Il faut vraiment. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils se sont tous associés parmi les pasteurs, les musiciens, tout ça, tous les impies, là, tous ces pasteurs, là, tout ça, tous ces musiciens, là, tout ça, là, ce pays, là, tout ça, là, tout ça, tous ces musiciens, la plupart, c'est des impies. Des impies. Et les prophètes authentiques, ils sont cachés. Les gens qui annoncent la vérité, on les lapide, on les tue. On les empoisonne parce qu'ils dérangent, parce qu'ils disent aux gens, arrêtez maintenant le cinéma, arrêtez de faire semblant d'être des chrétiens, tout ça. Vous vous rendez compte que on a vu des enfants et des enfants là de 3 ans qui ne savent pas où dormir, ils dorment dehors. Dehors, 3 ans. Vous avez des enfants ici là, 3 ans. Ils sont dehors, ils dorment dans les immondices, dans des poubelles, ils dorment dans les ordures. Des femmes, des mamans qui peuvent être nos grands-mères, des mères, des femmes de 70 ans, 80 ans là-bas, pas seulement l'Afrique, je parle seulement du Congo parce que là, c'est pas posé la question. Des femmes là-bas, là, tu sais quoi? Beaucoup, elles dorment sur les marchés. Vous savez ce qui se passe? La nuit, on les viole. Une sœur qui prie avec nous. Une sœur qui prie avec nous, elle est partie là-bas en mission, elle est revenue, elle m'a dit, frère, ce que j'ai vu là-bas, par rapport aux veuves, tout ça là, je lui ai dit, va, on va t'aider, on va te soutenir. Et les frères sont donné l'argent, elle a acheté un terrain, elle a construit une maison, elle a pris 150 veuves qui sont logées là-bas, qui sont nourries. Ces veuves ont commencé à témoigner comment elles étaient violées tous les jours par des enfants de la rue, des femmes de 80 ans violées. Pendant que ces bishops, ces chantres chrétiens congolais, je veux vous dénoncer. Et Dieu dit, le jugement arrive sur vous, là, si vous ne vous repentez pas. Dieu va frapper cette nation encore. Et les églises évangéliques, les églises de réveil, elles font quoi? Elles font la course pour construire des grands bâtiments. Elles font quoi? Elles ont ces pasteurs ont des 4x4, 3x4, 5x4, 4x4, tout cela. Et on s'agenouille devant eux. On les adore. Et ils sont adorés, adulés. Une jeune fille qu'on a récupérée parce qu'on a quelques orphelins là-bas qui me dit à l'âge de 8 ans. Elle a perdu ses parents. Elle dit, j'étais dans une maison inachevée. À 3 heures du matin, il pleuvait abondamment. Il n'y avait pas de toit. Toute la pluie était tombée sur elle. Elle dit, un homme est venu avec son chien. Il voulait la violer. Elle lui dit, s'il te plaît, ne me viole pas. J'ai pas de parents. L'homme lui dit, quitte, pars d'ici parce que mon ami arrive. Un de mes amis arrive. Lui, il va te violer. La fille est partie. Elle a traversé à 4 ou 5 heures du matin la rivière, une rivière là-bas, pour aller chez sa tante, qui l'a transformée, qui l'a commencé à l'utiliser comme une esclave. Elle dit, grâce au Seigneur, vous m'avez récupéré, je suis à l'orphelinat, maintenant je sais lire, mais il y en a plein comme ça, plein!
Et ces bishops, ils font quoi? Ils font l'étalage de leurs vêtements, de leurs costards, de leur richesse, tous ces impies. Et même ceux qui se disent ministres dans ce pays-là, tout ça là, ce sont des gens à dénoncer tous ces ministres-là, tout ça là. Ils font quoi? Ils font quoi avec l'argent? Ils font quoi? Tous ces maires de ville là-bas, là, ils font quoi à tout ça là? Ce sont des marionnettes. Vous prenez un rendez-vous avec un pasteur, effectivement, il faut payer. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que subit le peuple, ce que Dieu endure. Pas d'orphelinat reconstruit. Quelques orphelinats qui y a, c'est des orphelinats catholiques. Tout l'argent qu'ils amassent, ils viennent acheter des villas ici. Leurs enfants vont à l'école dans des pays comme au Canada, comme en Afrique du Sud, tout ça là. Et c'est vous qui les adorez. C'est vous qui les acclamez. Papa, 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 vous envoyez l'argent encore là-bas. Vous avez encore vos sorciers là-bas à qui vous envoyez de l'argent. Vous avez même il y a même des fan clubs de pasteurs qui sont là-bas. Les fans, les amis de tels prophètes. Vous aimez ça, vous le peuple. Vous aimez ça. Des fan clubs des amis de Walesa, des fan clubs des amis de tel. Vous aimez ça. Et Dieu dit que c'est pour ça que ce pays est frappé. Vous avez vu ce peuple qui devient un peuple qui n'a plus de nation. Un peuple qui est ballotté à gauche, à droite. Ça, c'est Dieu qui a frappé. C'est une malédiction. L'heure est grave. Il faut aller voir ce que les gens vivent. Vous avez déjà vu une petite fille de 2 ans qui te dit toute la journée, j'ai rien mangé toute la journée. Vous avez déjà vu ça? Toute la journée. Quand je vois mes enfants, ils ont à manger tout le temps. Nos enfants ici, ils ont à manger, mais il faut bouger, il faut aller, il faut sortir. Aller voir ces églises-là, ce qu'elles font là-bas dans toute l'Afrique. Il faut aller voir, mais vous allez être choqués. Vous allez être en colère, révoltés. Vous allez voir ces grands bishops arriver avec leur 4x4. Les gens courent après leur voiture pour ouvrir la porte. Ils sortent de là, 40 degrés, costard et cravate. Ils sont glorifiés, adulés, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. On porte leur Bible, on les adore, on se met à genoux devant eux. Et ils aiment, ils se nourrissent de ça. Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas un tel pays? Il y a la confusion, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est ça. Ah, c'est ça. L'Algérie, c'est un pays riche. Mmh. Normalement, ça ne devrait pas exister. Non. Des enfants paraissent devant les mosquées. Voilà. À faire la manche, la maman elle est d'un côté, les enfants de l'autre. Voilà. Ce que vous dites, en Algérie, malheureusement, et ça ne devrait pas. Non, malheureusement. Voilà. Et des petits-enfants. Parce que, ouais. Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. L'amour de son prochain, il n'y a pas. L'amour de son prochain, il n'y a pas. Voilà. Il y a des séismes, il y a beaucoup de catastrophes, et je me dis peut-être que c'est à cause de ça. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Si Dieu frappe. Si Dieu frappe, voilà. Dieu frappe. Voilà. Dieu frappe. Dieu frappe parce que en Algérie, il y a beaucoup de gaz, hein, du pétrole. C'est un pays très très riche, très riche. Voilà. Ben c'est ça. Le vous savez la grâce que l'Europe a reçue, c'est pour cela que mes amis frères. Et sœurs européens aussi des souches, il y a aussi une grâce que vous avez. Et faites tout. Malheureusement, cette grâce-là, qui n'est autre que l'héritage évangélique que Dieu a donné. Parce que il ne faut pas oublier que la première Bible a été imprimée en Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique qui date du 8e siècle. Le dictionnaire de Richelieu.
Et la langue française, la langue allemande, tchèque, tout ça, ces langues ont été enrichies par les réformateurs. Calvin pour la France, et Luther pour l'Allemagne, tout ça. Jean Hus pour son pays, au niveau de l'Est. Et c'est quoi les valeurs de l'évangile? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour cela qu'on retrouve encore ces valeurs-là où il y a quand même la notion du partage, même si ça se déforme, ça se transforme, ça se détruit. Où il y a quand même ce côté où on peut aider le pauvre, hein, la sécurité sociale, tout ça. Ce sont des valeurs que l'on trouve dans la Bible. Parce que Dieu disait à l'époque aux enfants d'Israël qu'il fallait mettre de côté une dîme pour les pauvres, pour les orphelins et les étrangers. Et on retrouve ce fonctionnement parce qu'il y a un héritage évangélique. Et malheureusement, beaucoup d'Européens rejettent aussi cet héritage évangélique. En venant sur la route, on a trouvé une aire de repos, hein, donc qui s'appelle, je sais pas, en tout cas il y a le mot l'archevêque dedans. Voyez. Donc je dis, mais voyez, il y a un héritage là. Même si c'est un peu catho, mais il y a quand même un tout petit peu l'évangile derrière, même si c'était pas un peu mélangé, cet héritage qui dit que, eh ben, tu dois aimer ton projet comme toi-même, tu dois partager ce que tu as. C'est pour cela qu'on a la sécurité sociale. C'est pour cela qu'on a, même en Europe, même en Allemagne, tout ça, ce côté-là où les pauvres, ben, avec les riches et les pauvres, ils peuvent quand même manger à peu près les mêmes choses. Vous voyez, non? Mais dans nos pays, là, mes amis, soi-disant qui ont reçu l'évangile. Hein? Regardez. Rien que l'état des routes, n'en parlons même pas. Vous avez, c'est pas des nids de poules. Ce sont des cratères. Et ça prend des gros 4x4 pour aller rouler là-bas. Hein, il y a une confusion. Mais un jour, Dieu m'a dit, mon fils, tu vois tout ce qui se passe là, tous ces cratères, c'est la manifestation extérieure de leur cœur. Il m'a dit, dans leur cœur, il y a des cratères comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de tout ça? Ben, il faut l'évangile. Il faut le vrai évangile. Bien sûr, il y aura la persécution. Bien sûr, les gens seront persécutés. Mais il faut le vrai évangile qui veut que Dieu soit aimé de tout son cœur et son prochain comme soi-même. C'est le deux principaux commandements que Dieu nous a laissés. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et vous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Des lois complètement, oh là là. Alors, c'est des 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, c'est des prières de jeûne d'Esther, 3 jours à, déjà les gens n'ont pas à manger, vous leur faites jeûner 3 jours à sec, sans manger, sans boire. J'ai eu un homme, pour finir, qui m'a dit, j'ai appris qu'un frère avait perdu sa femme. Je l'appelle pour le consoler, et je lui pose la question de quoi est-elle morte, et le frère me dit, eh ben, elle était diabétique, et elle a fait un jeûne, hein. Je lui avais dit de ne pas, je lui ai dit de ne pas faire ce jeûne. Mais elle a quand même fait son jeûne. Elle est morte! À cause de cela. Hein? Vous avez, en Afrique, au Congo, là-bas, vos mamans, Olangé, tout ça, là, qui est assis sur son trône. Tout ça, là, on va dénoncer tout ce qui se passe à la fois en France, en Europe, en Afrique, partout en Asie. Il faut que la vérité soit connue. Au nom de Yeshua. C'est pour ça que dans certains pays, Dieu me dit, tu vas pas encore y aller. Là, on va partir en Nouvelle-Calédonie. Des pasteurs là-bas se sont tous réunis, hein. Tout ça, ce sont des Français. Pour ne pas que j'y aille. Ils ont porté plainte là-bas auprès du commissariat. Les policiers commencent à faire déjà une investigation sur moi. Mais, c'est la France. Je suis français. Donc, je dois y aller. C'est un territoire français. Et il n'y a pas besoin de visa. L'évangile doit être annoncé à toute créature au nom de Jésus. Voilà. Comment? C'est une île française, la Nouvelle-Calédonie? La Polynésie? Pareil? Ouais, c'est la France aussi. Ils sont en train, les gens s'organisent, les pasteurs sont en train de s'organiser, ils disent, ce monsieur ne doit pas venir ici. Ils ont peur. Quand les francs-maçons font leur réunion là-bas, vous, les pasteurs là-bas, est-ce que vous vous réunissez pour ne pas qu'ils le fassent? Mais pourquoi quand l'évangile arrive, vous commencez à trembler? Celui qui tremble face à la vérité a un problème avec le Seigneur. Mais Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité
tu t'affranchiras. C'est la vérité qui affranchit, frères et sœurs. Alléluia! Et aujourd'hui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a un reste au Congo RDC. Il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant les faux dieux, devant les idoles. Il y a des chrétiens qui sont mes amis, alléluia, qui sont fatigués de ce qui se passe. Et Dieu dit, ces hommes et ces femmes seront mes amis remplis de feu, remplis d'onction de Dieu, alléluia, comme en France, comme en Europe, comme dans les îles. Il y a une, oh alléluia, cette armée, ben, beaucoup sont là. Dieu prépare son armée. Des hommes et des femmes qui ont le courage, qui peuvent dire les choses au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui guérit les cœurs, qui restaure les cœurs au nom de Yeshua. Alléluia. Merci pour ces femmes qui sont guéries, qui sont délivrées, qui sont restaurées. Merci pour ces liens qui sont brisés, qui sont coupés, qui sont renversés, Seigneur mon Dieu. Merci pour la puissance de la résurrection, Seigneur mon Dieu. Et nous prions pour les nations, nous prions pour l'Algérie, nous prions pour le Maroc, nous prions pour le Maghreb, nous prions pour le Liban, nous prions pour la Syrie. Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour la Centrafrique, nous prions pour le Gabon, nous prions pour, alléluia, pour le Cameroun, nous prions pour l'Allemagne, pour les Antilles, pour l'Asie, l'Inde, le Japon, la Chine. Nous prions pour les nations au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu.